Salam, shalom, bienvenue chez Collabo des trucs nouveaux, ou plutôt non, car vous regardez mes vidéos. Je suis trop con pour être omniscient, mais donc, dernièrement, bon, ils sont réapparus des comparaisons entre Hitler et Macron sur avion sur lequel Emmanuel XIV est fâché de ça, qui n'a aucune honte de se déclarer un R de Mao, par contre, mais McKinsey du Black avait qui a parlé de la campagne de Macron, et Blackrock a mis ses investissements dans la Chine. Et peut-être nous le comprenons totalement mal. On fait vraiment injustice à Macron. Sérieusement. À côté des petits malheurs de faire une guerre mondiale, le régime de Hitler avait abattu une estimation bas environ 6 millions de juifs et 5 millions de romains et sinti, donc maximal si on compte de tous les oppositionnels, tous les prêtres, on arrive à peine 20 millions de civilistes exécutés à côté d'une guerre mondiale, ce qui est que une quart qui a abattu Mao si on considère la famine née de la politique comme bon en avant, comparable à une grande réunification en fait, qui ne marche pas, puis la révolution culturelle, donc toutes ces mesures ont laissé Mao massacrer en Chine 80 millions, pas seulement 20, et des citoyens civils. Donc on erre des Mao comparé à ses petites moustachières et insulter ses ambitions. Et le livre de Klaus Schwab, La Grande Réunification, est maintenant impliqué sur le déguisement ministère de transition écologique, ou plutôt les révolutions culturelles, version française. Les outils comparables à ce qu'on voit en Chine avec leur monnaie numérique banque centrale, qui Macron impliqué depuis 2020 en France. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries. Quand je suis, je crois même expérimenter une fois de plus va rapporter les mêmes résultats. Et moi, je suis con. Et moi, je suis coupable aussi quand je lui ai demandé en Twitter comment il est contre la défense légitime. C'est vraiment confirmé par tous ces Portugais et envoyer des armes à l'Ukraine pour se défendre. J'ai vraiment mal compris Macron, je m'excuse profondément. Vu que les contacts utilisés par Macron ont résulté qu'on fraternel partagé la livraison, par exemple, des Nexter César artillerie, une tierce vers les Russes, une tierce vers l'Ukraine, véritablement, et quelqu'un est réapparu pour massacrer des soldats français en combat contre ce qui reste de la Daesh. Donc, ce n'est pas se défendre contre l'autre, c'est soutien de tous côtés pour réduire la population mondiale. Donc, vous êtes vraiment, vous êtes contre la défense légitime, mais pour la réduction de la population mondiale et contre les mesures de mort à cause de peine. Car si vous avez des bébés, en plus accueillis dans une famille, sans détester toute personne des peaux blancs, cela est colonisateur français coupable. Et pour cela, il faut payer. Pas qui sont les bénévoles, vu que donc Christine Lagarde avait imprimé de l'air 750 millions d'euros en hommage à Joe Biden pour éviter une inflation trop visible et cet argent est curé d'esprit aux plus riches. Comme ça, les pauvres ont l'impression qu'il n'y a pas l'argent et l'argent est rare et ça maintient les valeurs. Christine Lagarde a été condamnée en cour français en 2016 pour détournement de fonds publics, mais elle n'est pas en prison, elle a la immunité sur la fonction de directrice de Banque Centrale Européenne. Détournement de fonds publics et sa qualification peut être... Et ils perdent l'argent à cause de leur incompétence. Et maintenant vous avez peur, mais s'ils perdent tout l'argent, tranquille, tranquille, du calme. Et il y a maintenant une loi qui s'appelle Bail-in et qui est valable en Europe et toute banque peut confisquer votre argent à la place de toucher ses propres parachutes d'or. Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market.